C'est vous ? C'est directement au comptoir d'enregistrement et avant le départ pour la Corse que la preuve d'un test PCR négatif sera exigée. Faute de quoi, pas d'embarquement possible. Ce sera au personnel des compagnies de contrôler. Nous espérons évidemment compter sur la compréhension de tous. Ce n'est pas une décision de la compagnie que d'appliquer ces mesures-là. C'est une autorité qui nous le demande et il faut s'y conformer. Vous avez des remontées de crainte de la part des personnels ou pas du tout ? Il est évident que la crainte peut venir du fait que certains de nos clients n'aient pas eu le temps de s'organiser ou n'aient tout simplement pas eu, malgré nos efforts, l'information, sachant que tout ceci est très brutal. Les décisions ont été prises mercredi après-midi, elles sont applicables samedi matin. On peut imaginer que des gens qui sont actuellement en déplacement sur le continent n'aient pas forcément été joints ou informés. Test PCR uniquement, car sensible aux variants, contrairement à l'antigénique. Les passagers débarqués de Nice en fin de matinée avaient l'information. Vous êtes au courant des nouvelles dispositions ? Oui, on les a eues à l'aéroport de Nice au départ et je pense que c'est nécessaire pour arrêter la propagation. Voilà. C'est un gros foyer Nice. Hein. C'est un gros foyer, effectivement, mais pas que. Donc il faut faire ce qu'il faut. Quelle qu'en soit la raison, un résident qui lui effectuera un aller-retour sur le continent en moins de 24 heures n'aura pas à fournir de test, sous réserve d'en faire un dans les 7 jours suivant son retour. L'actuel dispositif de contrôle, lui, attend d'être remanié. Il est vraisemblable que les dispositifs de contrôle soient maintenus pour justement vérifier et contrôler que ce fameux contrôle en amont est effectif. Ça veut dire que là, jusqu'à dimanche, vous êtes là, hein ? Absolument, on est là jusqu'à dimanche et possiblement encore davantage. Est-ce que les délais de résultats des tests PCR pour les voyageurs en partance pourront être tenus par les laboratoires sur le continent ? Ce matin, la question restait posée. Ça a été le cas déjà hier.